Mission 3, lutte de pouvoir. Salut tout le monde, c'est Thiab. C'est reparti, toujours le même principe, la voir triple S pour l'émission Néphiline, Devil May Cry, la chute de Vergil. Je l'ai tué. Tu es plus fort maintenant. C'est ce que tu as toujours voulu. La puissance. La puissance absolue, Vergil. Tu es un fils de Sparda. Deviens le fils de Sparda. Le. Ah ouais, donc tu es le frangin. C'est pas cool ça. Bienvenue en enfer, mon frère. Je n'ai plus de frère à présent. Charmant. Tu sais, c'est moi qui vivais en cavale, dans les taudis. Toi, t'avais une petite vie tranquille. Maintenant, regarde où j'en suis. T'as ta place nulle part. C'est pour ça que t'es là. Et aussi parce que je t'ai tué. J'adore le nouveau look. Nouveau look, il a changé. Ouais, je fuis. Enfin, je dis ça, mais bon, je jouais il y a pas longtemps. Allez, c'est parti. Il est passé où? Coucou. Ok, c'est l'heure de faire des points les gars. Voilà, on se balade dans les ennemis. On va faire quelque chose. Bien sûr, il part avec son petit bouclier là, tout pété. Voilà. T'es en train de me suivre ? Non, c'est pas vrai. Tiens, regarde. Excuse-moi. Faut toujours regarder à droite, hein. Priorité à droite sur la route. Hop là, alors, autre pouvoir de Vergil, c'est que eh ben, il peut rematérialiser certaines choses. Donc pour ça, on balance simplement une épée dessus. Ah ouais, ouais, les épées sont fortes. Hein. Il est rapide, mine de rien, attends. Oups. Ah! Salut les gars! Heureux de vous revoir. Ah, j'ai pas eu le temps de la charger. Hop. On profite, hein. Les gommes pendant qu'il est tout seul, que personne ne veut l'aider. Je sais pas pourquoi des fois il y a un gros trou. Ah, peut-être parce qu'il a une épée sur lui, genre.
Ah, je sais pas. Ah, pardon. Moi, je t'ai pas vu. Allez, c'est l'heure de faire des points. Hop, cela. Ah, mais non, j'ai cru qu'il voudrait pas lui. Ah, alors. Ah, toujours être très agressif avec lui. Voilà. Virgil est très fort en 1-1. Où est-il ? En multi-cible. Ouais. Arrête-toi, Dante ! Ça passe. Ça passe, mais. Moins que Dante. Dante, il avait vraiment beaucoup de tac. Hein. Des masses. Des drones, et qui faisait mal. Il y en a quelques-unes, mais. Ouf. Oh, ça fait mal ça. Fais gaffe, t'as dû perdre quelques côtes et surtout une partie de ta boîte crânienne là. Ah le con. Non, c'est pas ça que je veux. Ah non, c'est ça, voilà. Un petit coup de pied finisher, voilà. D'attaque. Allez, hop, tchou. Ouais, il y en a beaucoup. Il faut quand même deux, allez, cochon. Voilà, il y en a pas un dernier. Si, voilà. Ah, il y a du démon. Il y a du monde. Il y a du peuple. Hop, c'est là. Allez, la souris. On suit. Ah, il y a un camion qui vole, c'est bien ça aussi. Là. Voilà. Tu feras gaffe, tu n'avances pas très vite. Ah. Excuse-moi, tu t'es pas là. Voilà, on va faire du point, toujours même principe. Ah, on charge vite, assez vite la capacité démoniaque, et ben on fonce. Voilà. 439 000 points déjà, putain. Ça déconne zéro là. Ah, une statue, dis, ça me rappelle quelque chose. C'est pas bien de faire un fuck à son frère.
Ah! Je suis passé pile au travers de... Ça arrive. Hein. Je te vois, frangin, pas la peine de te planquer. Combat épique. Oh. Voilà ce que j'attendais. Une dernière blague à faire, Dante? Ou t'as quelque chose à ajouter? Bien. Non. S'il te plaît. Non. Tu n'en as plus besoin. Un fratricide, je sais plus comment on dit. Un fratricide. Je crois que c'est ça. Je sais pas. Ah bah non, je sais pas. Alors, 439 000 points en temps, on est bon également. Bon, ça devrait passer, hein. Achievement. Triple S. On a fait le score parfait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lors de la mission 4, le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao!